Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de Binding of Isaac Rebirth. Donc la dernière fois, on était à la fin de ce challenge, mais on a perdu, et on va tout de suite le recommencer. Oh, je suis deg. En plus, on a ça, quoi. On a failli réussir à un challenge vraiment dur, pour moi, enfin je trouve que j'aime pas trop quand c'est quand il y a ça. En plus, on a pas de dégâts, on a que dalle. Ah là 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 là, on a failli. Non, je dégale. Bon, j'espère que vous avez bien coupé le téléphone parce que moi, ouais. On va prendre le cœur juste après. Bon, que dalle. J'espère pouvoir retomber sur une salle qu'on a, comme on a eu tout à l'heure. Bon, je rêve pas trop, mais... ce serait bien. Oh, nice. Très bien, ça. Non, je veux pas déjà mourir. Non. Oh, je suis mort. Et j'ai réussi à survivre grâce à l'item de Guppy. Qui est vraiment très généreux. Putain. J'y crois pas, je suis vraiment aussi nul. Même pas ici. Non mais please quoi. Ok, il n'y a rien, elle est pas ici. Elle serait là-haut. Juste là. Ouais. Bad gaz. On va pas ouvrir cette salle, on va juste prendre ça. Ok, une bombe pour une bombe, pourquoi pas. Bon, ça va être chaud, ça va être vraiment très très chaud là, encore une fois. Oh non. Ah non, c'est juste qu'ils avaient changé leur l'image, je croyais que c'était un autre boss. Je fais vraiment n'importe quoi là, désolé. Je ne montre pas du skill. J'ai eu chaud. Diner HP up. Allez, allez. On va pas aller en premier, on va d'abord aller sur les côtés. Carte de tarot, le Joker. Très bien. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ça donne cul. Et ça aussi, ça m'intéresse. Donc le Joker, ça permet de rejoindre la salle du diable ou la salle de Dieu, ça dépend sur laquelle on tombe. Et là, c'était sur la salle du diable avec un très bon objet. Oh merde. La pire chose qui puisse arriver vient d'arriver. Ok. Alors eux ils ont des
les araignées en haut, d'accord. Ok. Speed up. Yeah. Alors ici, ça, il devrait avoir une salle secrète, si je me trompe pas. Et ben je me trompe encore une fois. Ça change pas d'habitude. Hein. Wow. Bizarre ça. Bizarre comme ennemi. Ah, y a encore deux endroits où elle peut être et j'ai qu'une seule bombe. Hein. Merci de m'avoir écouté. Par là-haut. Ici. Nice. Passons au boss. Ouch. Me faire toucher comme un idiot. Ouch. Vous inquiétez pas, la salle, on y est déjà allé. Et on reçoit un cœur supplémentaire. C'est le cœur éternel quand on prend pas des. Quand il ne disparaît pas. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, comme je disais, quand on a le cœur éternel et qu'on passe au prochain niveau, on gagne un nouveau cœur. Et c'est souvent très dur de le garder jusqu'à la fin, donc ce qu'on fait souvent, c'est... on le laisse sur le côté, on revient le chercher quand on a fini le boss. Voilà, en haut. Brass. Non, c'est pas vrai, celui-là, c'est pas vrai, ceci. Oh non, faut pas que je meure encore quand même. Sous pas de moi. Non, je vais mourir. Donne-moi un cœur, s'il te plaît. Non, pas lui. Oh, bordel. Il me faut un cœur spirituel pour pas perdre mon cœur éternel là. Mais pourquoi il manque un cœur? J'avais pas deux cœurs quand même. J'en veux plus. Bien sûr. Non, pourquoi je suis allé par là? C'est les pires vers ceux-là. Oh my god. Ah, et voilà, j'ai perdu mon cœur éternel. Quel idiot je fais, sérieusement. Je fais vraiment n'importe quoi, je fais de la merde. Oh non, pas amnésia. Oh là là, qu'est-ce que...
Allez, bien sûr, je dois me les faire au corps à corps. Le truc, ils explosent et je dois me les faire au corps à corps. Best idée ever, quoi. Bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Goody. J'ai failli le toucher. Ah, c'est moi qui bouge les ralentis à vie. Objet. Les objets les ralentis à vie, non? Ce serait bien. Ça a l'air d'être ça. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Bon, comme on peut rien faire, on va tout de suite aller à l'étage suivant, c'est... D'accord. Allez, donne-moi un HP up, s'il te plaît. HP up. HP up. HP up. HP up. Allez. 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 Mais tu te fous de moi là. Je veux pas toutes ces clés, bordel. Oh mais non. Bon, on va rien dire. Nice. Oh, alors là, nice. La mort. Tu ouvres clou, deux fois plus de bombes. Nice. Mais ça m'intéresse pas pour le moment. On va utiliser les 4 les pièces qui me restent. Voilà, tout ce qui est intéressant. Ah non, c'est en fait c'est aléatoire, c'est dans n'importe quelle salle on dirait. Donc j'ai eu de la chance tout à l'heure sur le boss. Là je suis à combien de dégâts, d'accord. Oula, j'ai eu chaud. Par ici. Ah là j'ai de la chance. C'est du ralenti. C'est du très simple. Cet objet est complètement fumé, je trouve. Ok. Nope. Oula. Eh, hey, Forest, tu te calmes, hein.
Mais j'ai pas appelé Forrest Gump là, hein. D'accord, plein de cœur. Donc on va pas faire ça déjà. Parce que moi être mongol. Aïe. Ah, c'est explosif, j'avais pas vu, flûte. Ah, quand je dis explosif, je parle bien entendu de leur l'arme qui explose. Speed up. Aucune idée. Puberty. Health up, yo. Eh oh. Rien donné, hein. Amnésia jamais. Non merci. C'est quoi là dedans? Trois coffres. Trop risqué. C'est pas grave, on va laisser, on va juste reprendre les cœurs. Et on prend les cœurs qui sont là. Et on y va pour la suite. Voilà, let's go. J'ai pas de boost d'attaque. C'est Chubb, d'accord. Alors là, bah, c'est Win. Pour ce, c'était taché Win. Hein. Et si à chaque boss, c'est sur ça, mais c'est OP. Hein. J'ai gagné dans ce cas-là. Voilà, j'ai dit ça tout à l'heure aussi, mais on a bien vu comment ça s'est terminé. Gapé, gapé. Allez, pique de donjon. On y est presque. Non. Je vais pas risquer de perdre des points de vie sur ça. Plus risqué maintenant, alors qu'avant je l'aurais fait, mais là non. D'accord. Ok. Merci monsieur le radin. Ah, voilà. Ah ça marche pas. Flûte. Ah mais non. Et si je fais exploser ça? Rien. Moi. Ah non, pas cela. En fait, quand il touche, il a une chance de transformer en merde ou je... Ah. Nice. Je prends moins de dégâts. Je prendrai que 0,5 de dégâts maintenant en me faisant écraser par mob. Nice.
Putain, je suis déco. Lors de la dernière vidéo, j'ai failli réussir quand même le challenge, mais enfin, j'ai échoué. Alors. Oh mon dieu, il me charge. C'est affreux. Oh, vraiment trop OP cet objet. Hein. On va retourner en arrière. Bon, déjà, regarde ici. Oh! Bon, allez, pourquoi pas. Hein. Comme j'ai pas. J'ai jamais eu cet objet, autant le prendre. Hein. Voilà. Mais non quoi. Voilà. Ici. Ça va, j'ai récupéré un glé, je vais pouvoir m'en occuper. Justice. Alors il y a quatre possibilités. Première possibilité ici. C'est la bonne. Pilu pilu. Prends notre temps. Hein. J'avais pas vu que c'était une bombe. Je suis un peu idiot. D'accord. Faudrait pas que je meure, ce serait idiot. Mais n'empêche, le col il m'a sauvé la vie. Hein. Maintenant il me manque plus qu'un objet de Guppy et je me transforme en Guppy normalement. Ce serait bien. Je ne sais pas à quoi sert cette cuillère. Hein. Franchement. Si c'est pour faire plus de dégâts ou quoi que ce soit. C'est chiant qu'il parle en dessus, j'aurais bien aimé qu'il soit ralenti. Oh, je croyais qu'il était confus. Esquive. Je dis esquive et je fonce dedans. Attendez, je reviens. Me revoici, désolé pour cette ellipse. Alors. Ouh. Voilà. C'est bon. J'ai pas intérêt à mourir. Parce que ce serait dégueu. Là j'ai 12 sous l'heurte. Ça devrait être bien. Si je veux ramasser un 6 ici. Ah, je suis Guppy. Je suis devenu Guppy. Je vole maintenant. Je suis un chat volant. Et à chaque fois je touche enfin, j'ai une chance de d'invoquer des mouches quand je tue quelqu'un. Enfin, quand je touche quelqu'un même. C'est encore plus puissant.
Je pensais moi que ça allait débloquer l'objet comme vu que dans le précédent quand on avait fait Guppy pour la première fois, on avait débloqué un objet. C'était la Guppy Airball, la boule de chat Guppy. Mais là, il y a rien. Oh, je me suis pas fait toucher ça. Isaac vs Slust. Ah bah t'es censé être rapide ma petite hein. Bon là normalement sans vous mentir c'est gagné hein. Ça devient tout de suite plus facile hein, quand on a plus de dégâts. Je sais pas si vous savez, mais on peut jouer en coop à ce jeu, mais seulement en coop local, c'est con. Sinon, j'aurais pu vous le faire en coop. Ça ne me dérange vraiment pas, ça, le faire en coop. Si un jour un coop sort, ce serait tellement bien. On va pas aller tout de suite au boss. Comme on est bien parti, on va faire un peu le tour des salles. Normalement, là, je peux pas perdre. Je sais, j'ai déjà dit ça une fois. Je peux prendre, oui, nice. Oh, nice, jamais vu cela. T'es là. On achète ça. Bon, on peut tout acheter, hein. Bon, vous savez quoi, on en fout, puisqu'on a gagné. Tellement rapide. Plus rapide que l'éclair. Ouch. Je déteste vraiment ces chevaliers. Et d'une force. Oula, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Voilà. Par ici. Et là. C'est chiant qu'elle est pas ralentie, mais c'est pas grave. Je vais perdre cette fois-ci. Non, je te code, je sais que j'ai gagné. On va me prendre quand même pour un débile. Hein. Je sais quand j'ai gagné et je sais quand. Enfin, je sais pas toujours si j'ai perdu. Voilà. Salut démon. Toujours plus d'objets de Guppy. Et c'est parti.
Et bien, voilà, nous avons ici. Donc nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. C'était TheZostedPoche, type HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo!